Hello, hello tout le monde, c'est Tissu sa bicyclette. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur la flèche wallonne et nous allons découvrir la côte de Cherave. Et malheureusement, on n'aura pas l'intégralité de cette côte car j'ai oublié d'enclencher ma caméra au moment de cette montée. Il faut dire qu'ici, nous sommes dans les pourcentages les plus compliqués puisqu'il y a du 15%. Alors, la côte a fait 1,3 km pour une pente moyenne de 8,1%. Chose à savoir, on est vraiment pas très loin du mur de Wii, puisqu'il se trouve en fait juste derrière nous. Alors nous allons continuer cette ascension que nous n'aurons pas en intégralité, mais on va quand même découvrir son final. Alors, chose à savoir, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de kilomètres pour aller jusqu'au mur de Wii, puisque nous aurons une très longue descente. Ensuite, nous longerons la Meuse pour arriver dans Wii et ainsi attaquer ce fameux mur, mais ça ce sera dans la prochaine vidéo. Allez, je vous laisse découvrir le final de cette montée et je vous dis à tout bientôt sur le mur de Wii. Allez, d'ici là, portez-vous bien, salut, bye bye.